Chapitre 32. Comment Grand Gousier, pour acheter la paix, fit rendre les fouasses. Alors, le bonhomme Galet se tut. Mais, à tous ces propos, Picrocole ne répond rien d'autre que ces mots. « Venez les chercher, venez les chercher. Ils ont de belles couilles meules. Ils vont vous embroyer de la fouasse. » Alors, il se retourne auprès de Grand Gousier, qu'il trouva à genoux, tête nue, prosterné dans un petit coin de son cabinet, priant Dieu de vouloir bien adoucir la colère de Picrocole et le ramener à la raison sans utiliser la force. Quand il vit le bonhomme de retour, il lui demanda « Ah, mon ami, quelle nouvelle m'apportez-vous » « Rien n'est arrangé, dit Galet. Cet homme est complètement hors de sens et abandonné de Dieu. » « Certes, dit Grand Gousier, mon ami, mais quelle raison donne-t-il de ce débordement ?»« Il ne m'a, dit Galet, exposé nulle raison. Dans sa colère, il m'a seulement touché quelques mots à propos de Fouas. Je me demande si l'on n'aurait pas fait outrage à ces fouassiers. » « Je veux en avoir le fin mot, » dit Grand Gousier, « avant que de décider autre chose sur ce qu'il convient de faire. » Alors, il envoya prendre des renseignements sur cette affaire, et il s'avéra qu'on avait pris de force quelques fouasses aux gens de Picrocole et que Marquet avait reçu un coup de gourdin sur la tête. Toutefois, le tout avait été bien payé, et c'était le dit Marquet qui avait le premier blessé Frogier d'un coup de fouet dans les jambes. Il apparut juste à tout le conseil, qu'il devait user de force pour se défendre. Cela n'empêcha pas Grand Gousier de dire « Puisqu'il n'est question que de quelques fouasses, je vais essayer de le satisfaire, car il me déplaît trop d'entreprendre la guerre. » Il s'enquit donc du nombre de fouasses qu'on avait prises, et, apprenant qu'il se montait à 4 ou 5 douzaines, commanda qu'on en fît 5 charretées dans la nuit. L'une d'elles serait de fouasses faites de beau beurre, beau jaune d'œuf, beau safran et belles épices. Elle serait distribuée à Marquet, et il lui donnait pour le dédommager 700 000 et 3 philippus pour payer les barbiers qu'il aurait pensé. De surcroît, il lui donnait la métairie de la Pommardière, à perpétuité, franche pour lui et les siens. Pour conduire et acheminer tout l'équipage, on envoya Galet, qui fit cueillir en chemin, près de la Saulaie, Force, Grandjean et Roseau, dont il fit garnir le tour des charrettes et armer chacun des charretiers. Lui-même en prit un dans sa main, voulant ainsi faire savoir qu'il ne demandait que la paix et venait pour l'acheter. Arrivés à la porte, ils demandèrent à parler à Picrocole au nom de Grand Gousier. Picrocole ne voulut jamais les laisser entrer, ni aller leur parler. Il leur fit dire qu'il était empêché, mais qu'il n'avait qu'à dire ce qu'il voudrait au capitaine Touquedillon, lequel faisait mettre à l'affût quelques pièces sur les murailles. Alors le bonhomme lui dit « Seigneur, pour que vous nous retiriez de cette dispute, et pour que vous soyez sans excuse de ne revenir à notre alliance première, nous vous rendons sur l'heure les fouasses d'où vient le différend. Nos gens en ont pris 5 douzaines. Elles furent très bien payées. Nous aimons tant la paix que nous vous en rendons 5 charrettes, et celle-ci sera pour Marquet qui formule la plainte la plus vive. En outre, pour le satisfaire pleinement, voici 700 000 et 3 philippus que je lui verse, et pour le dédommagement qu'il pourrait réclamer, je lui cède la métairie de la Pommardière à perpétuité, pour lui et les siens, possédable en francs à l'œuf. Vous avez là le contrat de la transaction. Et pour l'amour de Dieu, vivons dorénavant en paix. Retirez-vous en vos terres, de bon cœur. Abandonnez cette place à laquelle vous n'avez nul droit, comme vous le reconnaissez bien, et soyons amis comme devant. » Touquedillon raconta le tout à Picrocole, et empoisonna de plus en plus ses sentiments en lui disant « Ces rustres ont une belle peur. Pardieu, Grand Gousier se conchit, le pauvre buveur. Ce n'est pas son affaire d'aller en guerre, c'est plutôt de vider les flacons. Je suis d'avis que nous gardions ces fouasses et l'argent, et que, par ailleurs, nous nous hâtions de nous retrancher ici et de poursuivre nos succès. Pense-t-il avoir affaire à une buse pour vous donner ces fouasses en pâture? Voilà ce que c'est.
Les bons traitements et la familiarité que vous leur avez précédemment témoigné vous ont rendu méprisable à leurs yeux. Flattez vilain, il vous piquera. Piquez vilain, il vous flattera. Là, 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 dit Picrocole. Par Saint-Jacques, ils en auront. Qu'il soit fait comme vous avez dit. D'une chose, dit Touquedillon, je veux vous avertir. Nous sommes ici assez mal ravitaillés et maigrement pourvus de provisions de bouche. Si Grand Gosier nous assiégeait, dès à présent, j'irai me faire arracher toutes les dents. Qu'il en reste seulement trois à vos gens, aussi bien qu'à moi-même, et avec celles-ci, nous n'irons que trop vite à manger nos provisions. Nous n'aurons que trop de mangeailles, dit Picrocole. Sommes-nous ici pour manger ou pour nous battre? Pour nous battre, c'est vrai, dit Touquedillon. Mais de la panse vient la danse, et du lieu où faim règne, force s'exile. Tant jaser, dit Picrocole. Saisissez ce qu'ils ont amené. Ils prirent donc argent et fouasse, bœufs et charrettes, et renvoyèrent les autres sans mot dire, sinon qu'ils n'approchent plus d'aussi près pour la raison qu'on leur dirait demain. Ainsi, sans aboutir à rien, ils revinrent vers Grand Gosier et lui racontèrent tout, ajoutant qu'il n'y avait aucun espoir de les amener à la paix, sinon par vive et forte guerre.